Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Victor va vous présenter comment utiliser et manipuler les formes sur PowerPoint. Nous verrons que l'utilisation de formes est un outil indispensable, notamment lors de présentations pour mettre en avant certaines idées via par exemple des schémas. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment réaliser un CV à partir de PowerPoint, et donc pour cela nous aurons besoin de manipuler les formes. Si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos et notamment celle sur le CV, vous pouvez aller juste en dessous de la vidéo et cliquer sur le bouton rouge s'abonner, où vous retrouverez un lien dans la description qui vous permettra de vous abonner. Maintenant, on va voir quelques outils et astuces pour créer votre propre schéma. Alors tout d'abord, on va enlever le fond, la disposition en mettant vide, pour pas être gêné après. On va placer notre première forme, un rectangle avec les coins arrondis, quelque chose de simple. Je le place au milieu. On va changer tout de suite le remplissage et le contour. Le remplissage, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais mettre un remplissage blanc. Les contours noirs, quelque chose de sobre. Ensuite, je fais copier-coller trois fois parce que j'ai envie d'en avoir trois différentes. Là, vous pouvez voir qu'en fait, PowerPoint permet de ranger simplement ces figures. Il vous met des sortes de lignes, comme vous pouvez le voir, qui vous donnent la distance entre chaque objet. Une fois que c'est fait, là, je rajoute mes flèches, comme ça. Et là, comme vous avez pu le voir, en fait, il y a un outil qui est proposé par PowerPoint, c'est de pouvoir accrocher sa flèche à un objet. Comme ceci, une fois que le point est vert, se dire que l'objet est accroché. Vous voyez, là, la flèche reste accrochée à l'autre objet, ce qui est assez pratique. Je refais ça une deuxième fois, je fais CTRL-C, CTRL-V, je place ma flèche, je l'accroche à l'objet, et voilà. Ensuite, alors je vais changer la couleur de mes flèches, je vais la mettre en noir aussi. Tac. Là, je vais décider de faire un petit dégradé pour que ça soit plus beau. Je vais mettre en gris clair. Voilà, et celui-ci, je vais un peu augmenter, comme ceci. Astuce importante, c'est qu'on peut écrire directement dans nos figures sans mettre de zone de texte. On double-clique dedans. Ensuite, on écrit ce qu'on veut. Là, on va écrire pour chaque case partie 1, partie 2, partie 3. Là, par défaut, malheureusement, on écrit en blanc. Du coup, on ne voit pas l'écriture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en noir. Et faire copier-coller pour chaque figure. Comme ceci. Après, un autre outil intéressant, c'est de pouvoir sélectionner en fait ces objets. Une fois sélectionné, pour savoir que ça a bien été fait, il faut qu'il y ait les points sur les côtés, comme ceci. Et là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un côté et grandir en fait la figure. Mais comme on peut voir, ça grandit bizarrement en fait. C'est pas proportionnel. Alors là, ce qui peut être utile, après être retourné en arrière, c'est en fait de faire un clic droit et en fait de grouper ces objets. Une fois qu'ils sont groupés, je vais pouvoir les modifier et ils vont garder leur écart entre eux. Vous voyez, les flèches, elles font toujours la même taille. Une fois que c'est groupé et qu'on veut changer juste un objet, ce qu'on peut faire, c'est dégrouper. Et là, ce qu'on peut faire, c'est grandir sa figure. Je le replace grâce à l'aide de la ligne rouge. Comme ceci. Et voilà. Autre fonctionnalité importante, c'est qu'on va pouvoir enregistrer notre schéma sous forme d'image. On sélectionne l'ensemble, on fait clic droit, enregistrer en tant qu'image. Je vais l'enregistrer dans mes images, tutoriel, faire schéma. Comme ceci. Et là, on voit bien qu'il est enregistré sous forme de PNG, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas le fond, il y aura juste en fait nos formes. Je vais enregistrer, on va faire une nouvelle diapo, avec un contenu vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher, la mettre, CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Là du coup, il n'y a pas de fond derrière, on peut tester, on va mettre un fond un peu sombre. Et voilà. Là, on voit bien qu'il n'y a aucun fond. Deux détails en plus, les formes sont disponibles à la fois sur insertion, comme ici, et dans accueil, ici. Dans insertion, c'est un peu plus simple, vous avez un menu déroulant, vous allez pouvoir choisir la forme que vous souhaitez. Et second détail, on va pouvoir en fait, en prenant deux formes, imaginons deux cercles, on va les mettre sur cette diapo-là, je les mets ici, CTRL-C, CTRL-V, je les place à peu près à la même hauteur. En sélectionnant les deux, en fait, on va voir apparaître dans format, fusionner les formes. Et on va avoir plusieurs options, unir, combiner, fragmenter, intersecter.
et soustraire. Voilà, c'était un aperçu des possibilités qu'offre PowerPoint pour manipuler des formes. Bon, on arrive au terme de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage, c'est vraiment très important pour nous. Tu peux cliquer sur notre logo à gauche pour t'abonner à la chaîne ou tu peux cliquer à droite pour retrouver l'ensemble de notre playlist sur la série PowerPoint.